Can I ask the panelists to be on the stage, please? I have Madame Yvonne Higuero, Secretary Genocide, is here. Frank Monte, Hervé Maidou, Brenda Santorum, and Barbara Soto Largo Moreno. That's the first five panelists who will do the presentations. And then we go afterwards for the other panelists. So this allows the other panelists to stay in their, at their table and see the presentations. And then we call them later. Is that okay with you, Madam Secretary? Yes. Je vais intervenir en français parce que c'est plus facile pour les traducteurs que je puisse parler dans une seule langue. Je vais essayer de ne pas changer en cours de route. Je promets de faire tous les efforts possibles. Donc, bonjour, chers intervenants, chers panélistes et participants dans la salle à cette table ronde CITES. Depuis la conférence des parties CITES à Panama en novembre 2023, des nouvelles essences en provenance de l'Afrique et de l'Amérique latine ont été inscrites à l'annexe 2 de la convention CITES. Aujourd'hui, nos intervenants et panélistes, étant des acteurs dans les mesures et procédures à mettre en œuvre, ainsi que l'impact sur le commerce de ces essences, vont nous édifier sur la chaîne à partir de l'exploitation forestière, de l'exportation du pays producteur vers un pays importateur de ces produits. J'appelle Madame Yvonne Higuero, secrétaire générale de CITES, de nous donner la note d'introduction ou le keynote pour notre session. Madame Higuero. Merci beaucoup, Madame Van de Ven. So I will be speaking in English. I hope you have your translators on. I wanted to say hello to everyone, excellencies. I wanted to a special greeting to Madame Françoise Van de Ven, the president of the Association Technique Internationale des Bois Tropicaux and moderator of this session. And a very kind hello to Mrs. Flor Coomba Pambo, who is our dear Plans Committee Chair in CITES. Distinguished panelists and speakers, esteemed colleagues and friends, I see many familiar faces here with us today, especially those working on CITES matters. I think my marching orders have been that I should make you all fall in love with CITES as much as I love CITES, so I will do my best to inspire you to that. But let me first thank warmly the International Tropical Timber Technical Association, or ATIBT, for giving me the honor to address so many key global stakeholders here working together to ensure the sustainability and legality of the timber trade, of the tropical timber trade. I sincerely and I truly feel this, that this is a significant moment, this is a significant milestone. Our engagement with such a diverse representation of the timber sector, with voices from both the private industry and key governmental agencies. In my experience, I've been almost now 6 years with CITES. One of the most difficult things that we have been tried to do is to be able to put together the government agencies with the private sector to have frank discussions. And I am very grateful for ATIBT to think of having this session with us. You will soon hear presentations by Frank Monte from ATIBT, Hervé Maidou from COMIFAC, Brenda Santorum representing Belgian Customs, and Madame Barbara Soto Largo Moreno, chair of the European Commission's Scientific Review Group. Their presence here reflects the collaborative spirit that is needed to ensure the world's forests will continue to benefit our future generations. Now, some of you will be familiar with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, or CITES, easier to say. But please allow me to say a few words about it for those who may not be so familiar. The strength of this convention, the strength of CITES, that is a legally binding agreement with 184 parties that entered into force almost 50 years ago in 1975.
lies in the specificity of his mandate to ensure that international trade in wild animals and plants, including tree and forest species, does not threaten their survival in the wild. And this has to be made clear. CITES is not to stop the wildlife trade. CITES is to regulate the wildlife trade to ensure that it is legal, sustainable, and traceable. Now, many are surprised when they learn that around 800 tropical tree species are listed under CITES appendices. And it may be even more surprising to you that this has only happened in the last decade or so. Generally, we hadn't had not many commercially valuable species listed on CITES appendices, and now more and more we are seeing timber and marine species under the CITES appendices. The majority of CITES regulated trees, including rosewoods, mahogany, cedars, agarwood, yew trees, African cherry, kumaru, Brazil wood, and ipé, are listed in Appendix 2. These tree species have brightened our lives with furniture, music, medicine, and more. Ensuring their survival by enabling legal and sustainable trade that benefits local communities and national economies is at the core of our efforts. As you may know, Appendix 2 species can be traded commercially between countries as long as they are accompanied by a CITES permit. In fact, 95% of the species under CITES are traded commercially are actually in Appendix 2. Now, what are the core requirements of the convention that you have to adhere to be able to allow the international trade of these species? There are two fundamental requirements. One is the proof of sustainability, and this is what we call the non-detriment findings, or NDFs for short. And the other fundamental requirement of the convention is the legal acquisition findings, or LAFs, LAFs. Non-detriment findings and legal acquisition findings are the foundation upon which all international trade in CITES species is built. The scientific authorities in each country, these are the CITES scientific authorities in each country of origin, are responsible for developing these NDFs, ensuring that any export does not detrimentally impact the survival of these species in the wild. Now, this can be done in many ways. There is no strict imposition by the convention on how you carry out those NDFs, but we have guidance available for doing this. But what you have to be able to say is how much can you export that's sustainable. Now, the CITES management authorities oversee the legal acquisition findings process, the LAF process, and they have to certify that the specimens were legally acquired from the moment that that tree was felled. However, this process, none of these processes can be done in isolation. Industry stakeholders, many of you here today, including timber companies, play an essential role in applying for export permits and providing CITES authorities with the required information. Our work would not be possible without the collaboration of range states, importing parties, the academic community, industry stakeholders, and partners such as ATIBT. This multilateral collaboration is essential to successfully implement CITES provisions and ensure sustainable management of tree species. In addition, while CITES establishes baseline requirements for NDFs and LAFs, the treaty allows party to put in place stricter domestic measures if they so wish. And this is an important point. I know you have been discussing this today. Importing and exporting range states must communicate and coordinate closely to address these additional requirements. Although the CITES Secretariat is not in a position to comment on these stricter domestic measures, we do encourage for both importing and exporting parties to work together to navigate and implement these stricter measures effectively to ensure that legal trade can continue smoothly. Over the past 3 years, the CITES community has focused on building the capacity of our 184 member states with initiatives such as the new CITES standard guidance on non-detriment findings specifically for tree species, including a new module on NDFs for tree species. This guidance integrates CITES language with sustainable forest management principles, aiding authorities in conducting scientifically grounded sustainability assessments for harvest and trade. Enhancing NDF and legal acquisition findings through targeted training workshops.
Just recently, for example, the workshop on African rosewood held in Douala from September 2 to 6, 2024, brought together representatives from all range states and key stakeholders in the timber sector. And thanks to our collaboration with ATIBT and the generous hosting of the government of Cameroon, we had a very successful meeting. Expanding our collective knowledge in trade, conservation, and the biology of CITES listed tree species, supported by new partnerships with donors and international organizations, and of course, importing and exporting parties is absolutely key. The meetings of CITES advisory and governing bodies, and this is a very important point, namely the scientific committees, the standing committee, and the conference of the parties. These are the different bodies that compose CITES. The scientific committees give advice on technical matters. The standing committee gives advice during the intersessional period between the conference of the parties, that is every 3 years. They all provide a valuable platform for the CITES community to exchange experiences and best practices in implementing the convention. For instance, at the upcoming meeting of the Standing Committee, which will take place in February next year, the key topic of discussion will be the encouraging strides by range states of African rosewood, or Pterocarpus erinaceus, in implementing compliance-related recommendations, including those related to trade suspensions. And many of you in this room may have been affected by that ban on trade in Pterocarpus erinaceus because there were missing non-detriment findings and legal acquisition findings. But the good news is that many countries have come on board and have now produced these and have been given an allocation by the Plans Committee to continue trade in these species. Active participation in these meetings, whether as observers or through regional representations, is essential. This ensures that all CITES stakeholders remain engaged, informed, and aligned with the convention's mission. In my view, more important than anything is to strengthen communication at the national level between CITES authorities and the industry stakeholders. It is essential to be able to understand the rules of the game and how to follow them. For example, when it comes to preparation of proposals that will be presented at the Conference of the Parties for listing additional species, it is important for this next COP, COP20, scheduled for November-December 2025 in Samarkand, Uzbekistan, that in accordance with the provisions of the convention, proposals from non-range states must be submitted to the Secretariat 330 days before the dates of the COP. And proposals from range states must be submitted 150 days before the COP. And what this is supposed to encourage is that you have access to those proposals and you can have those discussions before the COP in terms of how this will have an impact and whether there is enough data, there is enough scientific information, because at the end of the day, CITES is a scientific-based convention that these species should be listed. These consultations between non-range states with range states and between the range states should start very early, including consultations at the national level. Some parties have regulations that require consultations with stakeholders at the national level. So this is very important, and I encourage you very much. For me, that discussion between the industry, between those who are exporting these species, and the governments who are actually putting forward those proposals has to happen way in advance. It shouldn't be a surprise when the regulation comes through and they have been listed in an appendix when they haven't been listed before, that suddenly you need to learn how to be able to do a non-detriment finding, a legal acquisition finding, how to get a CITES permit, putting in place the CITES permitting system in each of the countries. You need to have knowledge of this way before the decision is taken at the COP. Ladies and gentlemen, by fostering collaboration, enhancing capacity, and ensuring adherence to legal and sustainable practices, we are paving the way for a bright future. A future where the trade in forest products and tree species aligns with your government's achievement of the global goals for forests, biodiversity, and climate resilience. Our speakers today will delve into a wide range of topics, from the foundational context and scientific principles underpinning CITES, to the practical challenges and strategies for ensuring compliance and sustainability of the international timber trade. I am confident that the diverse perspectives and expertise of our esteemed speakers will enrich our understanding and guide us toward effective solutions.
We need to sit together around the table. This is not time for polarization. We see this happening today in politics when we think our way is the right way and we do not discuss and sit at the table to find solutions that we can all live with. Nobody can win 100%. We have to find solutions that we can all embrace and be able to continue our work. Thank you again, and I look forward to the presentations and discussions. And now I hand over to the moderator. Thank you. Thank you very much, Yvonne, for sharing all this with... Non, j'avais promis en français. Merci, Yvonne, pour avoir partagé toutes ces informations. Et en gros, nous devons être préparés et mieux nous préparer pour toutes ces réunions. C'est ça qu'elle nous a dit. Donc, on doit renforcer nos capacités pour y arriver. Et M. Franck Monté, de la TVT, il va vous donner un peu plus d'éléments sur ce que c'est nous préparer. Merci beaucoup. Merci Françoise, merci à tous. Donc, je suis Franck Monté, je suis en charge du programme CITES à la TIBT. Donc, merci à la secrétaire générale pour cette belle introduction qui reprend en fait l'essentiel de ce qu'il y avait dans ma présentation au final. Donc, j'avais juste prévu, donc le focus ici était un peu plus sur les pays d'Afrique centrale où on a, en tout cas la TIBT a une relation historique, même si maintenant on commence déjà à s'étendre sur d'autres continents. Donc voilà, plus besoin de rappeler au final le rôle de la convention dont on va parler, donc c'est la convention CITES qui régule le commerce international des espèces exploitées. Donc ici, un petit focus aussi sur les pays de la COMIFAC, donc, puisqu'on a le secrétaire général avec nous, le secrétaire exécutif, pardon, et avec les différentes dates d'entrée en vigueur de la convention dans les pays. Ceci juste pour bien préciser que tous les pays de l'Afrique centrale, en tout cas de l'espace COMIFAC, ont adhéré à la convention et donc quelque part sont subissent ou alors sont impliqués dans les conséquences liées à l'application de cette convention. Donc d'où la nécessité, dont je reviens encore sur ce que disait la secrétaire, sur la nécessité de s'assurer de la bonne mise en œuvre de la convention dans les différents pays. Donc très vite, la CITES, on en a parlé, certains d'entre vous sont peut-être mieux informés que d'autres, et la secrétaire aussi l'a rappelé, l'un des outils, ce sont les annexes. Et c'est quelque part ce qui a l'impact sur nous aujourd'hui. Les annexes, il y en a trois au niveau de la CITES, il y a, donc, en fonction du niveau de régulation qui est mis en place. Donc l'annexe 1, c'est, dans le recul, le commerce... L'annexe 1 contient l'ensemble des espèces menacées d'extinction. Et pour toutes ces espèces, le commerce est interdit. L'annexe 2, donc, ce sont les ensembles des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées actuellement, mais qui pourraient le devenir si le commerce des spécimens n'était pas contrôlé. Et donc pour cette annexe, le commerce international des spécimens est donc autorisé, mais il est contrôlé au moyen d'un certain nombre d'outils que nous allons ensemble rapidement explorer. Et l'annexe 3, c'est une annexe dans laquelle les différents pays, chaque partie à la convention, peut proposer, en collaboration avec d'autres pays de la convention, qu'il y ait un contrôle sur ces espèces-là. Donc c'est par exemple le Nigeria qui a sollicité l'inscription par exemple, du sapelier à l'annexe 3 pour inviter les autres parties à mettre en place des outils de contrôle. Donc, et l'annexe qui nous intéresse principalement ici, c'est l'annexe 2, donc, comme vous le savez. Donc, lors de la dernière COP CITES, donc un certain nombre d'espèces de bois d'œuvre ont été inscrites aux annexes de la convention, comme l'a rappelé. Donc, c'est le dossier le Padouk, dans le Padouk, dossier Padouk Akajou Ipe et Kumaro, qui a été inscrit dernièrement. Donc, pour les espèces africaines, donc Padouk, dossier et Akajou, l'entrée en vigueur c'était depuis le 23 février dernier, donc 23 février 2023. Et tandis que les espèces d'Amérique latine, Ipe et Kumaru, l'entrée en vigueur, c'est à partir du 25 novembre prochain. Donc à ce jour, on l'a aussi rappelé, un peu plus de 700 espèces, 800, sont inscrites aux annexes de la Convention, avec notamment pratiquement 97% de ces espèces qui sont inscrites à l'annexe 2. Donc j'ai fait ainsi un petit zoom sur les espèces africaines, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Donc les trois genres africains. Donc, rapidement, ce qu'on peut remarquer, je voulais surtout attirer votre attention sur les propositions, ceux qui ont réalisé les propositions. Donc, on a principalement, par exemple, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Union européenne, Sénégal pour l'Afzélia, Côte d'Ivoire, Union européenne, Libéria pour les
PADUC, et puis le Bénin, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour les CAIA. Donc, on parle ici essentiellement d'Afrique centrale. Donc, la première question qu'on se pose, c'est où sont passés les pays d'Afrique centrale dans les propositions qui sont faites. La deuxième question, c'est comment est-ce que les pays, du coup, se préparent à ces rencontres-là de la CITES et quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut prévoir face à ces différentes propositions. Donc, on a bien compris au regard de la présentation de la secrétaire qu'il y a un ensemble de mécanismes. Il y a une date à partir de laquelle les propositions sont faites, donc en fonction de est-ce qu'on a un pays de l'aide de distribution ou pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a certainement un moyen de se mobiliser à partir du moment où ces informations ou du moins les propositions sont faites. Et quels sont les outils, quels sont les éléments qu'on a et qu'on peut mettre en œuvre pour justement être force de proposition par rapport à ces ensembles de propositions qui sont faites par des pays qui peut-être au niveau local, je ne sais pas, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il peut avoir des véritables problèmes. Et donc comment est-ce que chaque partie en fait, trouve son épingle du jeu dans l'ensemble des éléments qui lient ou qui sont liés à la mise en œuvre de la Convention. Bon, j'ai aussi rappelé rapidement ici l'étude qu'on avait réalisée avec notamment Nature Plus, une association qui est basée aussi à l'Université de Liège, en 2022, où, par exemple, on montrait, sur base d'un ensemble d'indicateurs qu'on avait sélectionnés, en collaboration avec des collègues du Missouri Botanical Garden et de l'Université Yaoundé 1, qui sont autorités de la liste rouge de l'UICN en Afrique centrale, donc la CARLA, que, par exemple, Afzelia bipennensis, donc une espèce du genre Afzelia, et Pterocarpus oryxii n'étaient pas nécessairement menacées. Mais comme on l'a vu au début avec la description des annexes, ce n'est pas qu'une espèce est nécessairement menacée au moment de la rédaction de la proposition, mais c'est qu'elle pourrait le devenir. Et donc, le tout se joue dans le pourrait le devenir et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des mesures de suivi et de contrôle de tout ça. Donc, la secrétaire aussi rappelait, donc, désolé, je vais à chaque fois faire la même phrase, le commerce international, c'est, dans le cadre de la CITES, c'est trois principes également. Ce sont des principes de l'égalité. Donc il y a voilà, tout l'ensemble des lois qui régissent le commerce de l'espèce, des principes de durabilité et des principes de traçabilité. Donc on va voir aussi comment est-ce que l'Afrique centrale, ou du moins les pays du bassin du Congo, se situent par rapport à tout ça. Donc les éléments sont là, vous pourrez repasser. Donc il y a deux éléments fondamentaux qu'on va explorer ensemble, ce sont les outils de durabilité. Pardon pour la slide, c'est un peu trop petit, mais... pour ne pas trop revenir dessus, donc le premier élément, c'est dans le principe de durabilité, c'est l'élément lié au permis, les permis d'exploitation. Et pour pouvoir délivrer ces permis d'exploitation, on a deux outils. On a donc les avis de commerce non préjudiciables, les ACNP, qui sont réalisés pour montrer que, en fait, pour les avis de commerce non préjudiciables, pardon. Et le deuxième élément, c'est les quotas. Donc chaque fois qu'on réalise un ACNP, on définit par exemple un quota ou pas, parce qu'il y a aussi la possibilité de définir des quotas de zéro. Et ces quotas, c'est en réalité la part exploitable sur la base des critères qu'aurait défini l'autorité scientifique du pays. C'est la part durable, exploitable qu'on a. Donc c'est le premier outil. Et pour ce qui concerne donc les ACNP, on a eu la chance parce que je présente aujourd'hui pour la TBT, mais on a en réalité une task force qui a été mise en place avec notamment Nicolas Bayol, qui est quelque part dans la salle, avec qui on collabore énormément. Donc on a eu la chance de participer à cet atelier organisé par la CITES à Nairobi, le module sur les ACNP, dans lequel on a notamment le module 10, qui reprend l'ensemble des critères nécessaires à l'élaboration des ACNP pour les arbres. Et donc on a justement utiliser quelque part les principes et paramètres d'aménagement mis en œuvre en Afrique centrale pour justement collaborer ou améliorer, en tout cas contribuer fortement à la mise en place de ces critères. Donc ce qu'on peut retenir globalement, c'est un document qui est disponible en ligne, que tout le monde peut télécharger, lire et même donner des avis ou des commentaires à l'autorité scientifique du pays en question ou du pays d'exportation du bois que vous avez. Donc les trois principaux éléments qui ont été retenus, dont les critères minimums, c'est la nécessité d'avoir des données d'inventaire. Donc la démonstration que, le deuxième, c'est de démontrer que l'exploitation est réalisée de manière durable. Et troisièmement, c'est de montrer qu'il y a des outils de suivi qui sont mis en place. Donc j'ai envie de dire que presque tous ces critères se retrouvent déjà quelque part dans les principes d'aménagement mis en œuvre globalement dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Mais on est d'accord que ce n'est pas les mêmes niveaux, les pays ne sont pas au même niveau de mise en œuvre et que les exigences, il y a toujours de l'effort à faire, mais globalement, c'est des choses qu'on retrouve.
Donc je disais, les permis d'exploitation, donc les pays aussi, tous les pays d'Afrique centrale ont déjà réalisé, à l'exception actuellement de la RDC la plupart des, et de la RCA, la plupart des pays ont réalisé leurs ACNP, donc quelque part peuvent délivrer les permis d'exploitation. Mais donc j'ai dit, mais seulement, parce qu'il y a aussi le permis d'importation. Là, on parle spécifiquement du marché européen, parce que le permis d'exploitation actuellement, il n'est d'application qu'au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que si vous voulez exporter en Asie ou en Amérique, vous avez uniquement besoin actuellement, depuis l'Afrique centrale, d'un permis d'exportation. Et donc le permis d'importation, c'est un peu l'analogue du permis d'importation, c'est de montrer que la part qui est importée ne nuit pas à la suivi de l'espèce dans l'environnement, dans son environnement naturel. Et donc je disais, actuellement, on a, la plupart d'entre vous ici font plus ou moins face à ça, c'est un certain nombre de difficultés, particulièrement via l'Union européenne, comme la secrétaire l'a aussi rappelé, liées à la mise en œuvre, à la mise en place d'un ensemble de mesures dites domestiques au sein de l'Union européenne. Donc, comme on a vu, l'Union européenne a totalement le droit de mettre en place, et n'importe quelle autre partie a le droit de mettre en place des mesures domestiques, mais des mesures domestiques qui visent à contrôler que ce qui arrive sur son territoire est plus ou moins est durable. Mais donc, la question ou les difficultés qu'on avait à notre niveau, c'était surtout qu'il y avait beaucoup, très peu de visibilité sur les paramètres qui sont mis en place au niveau de l'Union européenne pour contrôler, valider la durabilité, parce qu'on parle ici essentiellement de durabilité. Mais là aussi, je dois dire merci, je vois que la CITES Belgique est là, parce qu'on a beaucoup collaboré, on travaille beaucoup avec eux, donc c'est l'une des CITES qui est très réactive aux différentes préoccupations que nous avons. Donc elle a publié, donc là je vous ai mis pour le cas de l'IP, elle a publié un ensemble de mesures qui à l'endroit des différents partenaires. Et donc, principalement, j'ai repris les éléments qui ont été mentionnés par la CITES Belgique, notamment en termes de documents à fournir, quels sont les différents types de documents à fournir, quelles sont les informations qui sont recherchées et quels sont les critères à respecter. Donc, actuellement, on a, par exemple, un taux de reconstitution minimal de 50%, on a les questions de densité supérieure de 0,05 tiges à l'hectare, mais on a aussi les questions liées à la structure de population. Donc voilà, donc ça c'est un premier pas qu'on apprécie beaucoup, qui est une belle ouverture, mais maintenant il faut qu'on travaille aussi ensemble, par exemple, sur le taux de reconstitution à 50%, quels sont les différents paramètres. La plupart de vous ici aménagés savent qu'il y a l'accroissement, il y a la mortalité, il y a les dégâts, il y a plein de paramètres qui interviennent, donc il faut certainement travailler à définir quel est le paramètre fixe ou la valeur fixe qu'on utilise dans chaque pays ou voire dans chaque type de forêt avec l'évolution qu'il y a au niveau local. Et donc, j'avais mis aussi un peu la légalité, mais c'était la troisième partie, c'était vraiment plus pour parler des atouts, parce que comme je vous ai montré, il y a trois piliers, légalité, durabilité, traçabilité, mais encore une fois, donc, les pays de la Comifac ou de l'Afrique centrale, on voit que donc, les trois catégories, c'est en fonction de comment est-ce qu'on remplit les exigences de la CITES au niveau de la loi. Donc la catégorie 3, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Catégorie 1, ça veut dire que tout est plus ou moins conforme à ce que la CITES attend. Et donc vous verrez qu'à l'exception de la République centrafricaine, Sao Tomé, la plupart des pays sont entre les catégories 1 et 2. Ça veut dire que quelque part au niveau légalité, la plupart de ces pays remplissent les éléments nécessaires. Et puis, on a le deuxième pilier, donc c'est la durabilité. Donc ici, j'ai mis rapidement une carte qui reprend l'aménagement forestier tel qu'il est pratiqué en Afrique centrale, mais aussi tout ce qui est fait en termes de recommandations. Donc ici, ce sont les résultats du collectif DINAFAC. Le collectif DINAFAC, c'est un collectif qui regroupe un ensemble de structures de recherche. On a le CIRAD en France, on a la faculté de Jean Blot Agrobiotech ici en Belgique, on a des universités, l'université de Douala, l'université de Yaoundé, l'université Marie-Angouabi, l'université des sciences et technologiques de Massoukou, donc au Gabon. Donc on a un ensemble de partenaires universitaires, mais aussi un ensemble de partenaires techniques qui sont essentiellement des entreprises forestières au sein desquelles on implémente ces travaux. Donc on a l'aménagement forestier, mais on a aussi la certification qui a été largement discutée précédemment dans le cadre du panel sur le RDUE, donc avec tous les efforts qui sont mis en place en termes de certification. Donc ça, c'est aussi un atout qui contribue tous les deux, aménagement, certification et d'autres principes, à améliorer la gestion durable des forêts en Afrique centrale. Et puis, on a tout ce qui est dispositif de recherche. Donc, j'ai mentionné, je vous ai parlé totalement du collectif DINAFAC. Donc, voilà, y a des bouquins qu'on a ramenés qui présentent les travaux qui sont menés.
Donc, vous avez là la structure des différents dispositifs. Je vois qu'il y a plein d'entreprises partenaires, IFO, Mocabi, CIB, CEB au Gabon, Palisco, etc., qui sont des entreprises avec lesquelles on travaille depuis. En tout cas, les dispositifs sont installés depuis plus d'une quarantaine d'années. Donc, il y a suffisamment de recul. Et là, on a commencé justement des travaux de capitalisation de tout ça. Et donc, ici, c'est l'ensemble des guides que vous verrez à l'extérieur. Donc, comment suivre la faune, comment installer un dispositif permanent, tous les travaux sur l'auto-écologie des espèces, à quel moment est produit des fleurs, des graines, les diamètres minimums d'exploitation, d'aménagement, etc. Donc, tout à l'heure, on parlait de la disponibilité d'informations. Je pense qu'il y a déjà, quand même, au niveau de l'Afrique centrale, en tout cas, beaucoup de recul en termes de données, qu'il faut aussi sortir des tiroirs et essayer de mieux valoriser ça, surtout quand on se rend compte que parfois les décisions sont prises sans tenir compte de ces informations-là. Et actuellement, au niveau de Jean Blou encore, il travaille sur un projet de guide, donc de plus de 1000 espèces d'arbres d'Afrique centrale, qui va reprendre donc, l'essentiel des informations sur les espèces. Et donc, j'ai pris le cas du Silicodiscus gabonensis, de l'OCAN, donc, sur laquelle donc, un ancien de CEB, ceux qui sont là de CEB vont connaître, Romaric Ndonda, il a défendu sa thèse il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, ces informations issues de sa thèse, issues de ses dispositifs, contribuent à réaliser, finaliser cette fiche dont les collègues de Jean Blou, Nature Plus, travaillent à ça. Et donc, le dernier point, c'est au niveau de la traçabilité. Je crois qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, que ce soit la traçabilité papier ou la traçabilité digitale avec la mise en œuvre du CIGIF au Cameroun, il y a beaucoup d'avancées qui sont réalisées. Et donc, tout ça contribue déjà grandement à remplir les exigences de la certification. Donc, je dis cela, c'est une façon un peu très poétique de présenter les choses. On est d'accord que chacun de ces piliers a ses challenges. L'aménagement, aujourd'hui, on a une table ronde après qui va parler de l'aménagement de seconde génération, parce qu'on est conscient qu'il y a des efforts à faire, il y a des efforts à fournir pour améliorer les paramètres et les critères qui sont mis en place. Il y a des efforts au niveau de traçabilité. Je sais que le CIGIF, par exemple, ça n'a pas été facile. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que c'est une dynamique dans laquelle on est inscrit. Et donc, il faut aussi qu'on ait l'opportunité, justement, on parlait de comment redonner une image aux bois tropicales, mais c'est aussi en montrant qu'il y a un ensemble d'efforts qui sont mis en place et que ces efforts ne doivent pas être juste mis de côté. Et voilà, il faut trouver le moyen de mieux les communiquer, mieux les valoriser. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation. Alors, il a dû passer vite, mais ces présentations seront en ligne et vous pourrez les examiner calmement. Et si vous avez des questions encore, vous pouvez les poser. L'équipe, le groupe de travail CITES est là aussi pour informer tout le monde, nos membres surtout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je voudrais appeler le prochain intervenant, M. Hervé Maïdou, donc secrétaire exécutif de COMIFAC, la commission des forêts d'Afrique centrale, et qui va un peu nous parler sur le CITES dans l'espace COMIFAC, le rôle, la responsabilité et défis. Merci. Merci Françoise. La COMIFAC est une organisation, comme je disais ce matin, intergouvernementale des États. Les États sont États parties à la CITES. Je crois que Franck l'a montré ici. Et nous agissons dans le rôle de coordination de tout ce qui est rapportage, présentation d'état d'avancement de CITES au niveau de chaque pays. Et dans le cas concret, nous faisons des réunions de préparation par rapport à toutes les négociations, dont les négociations par rapport à la CITES. Comment est-ce que nous nous organisons? Je crois que nous réunissons les autorités scientifiques au niveau de chaque pays, les autorités nationales, dans un groupe de travail sur CITES, qui est un des groupes de travail de la COMIFAC, et nous essayons de présenter les réalisations de chaque pays, comme l'a dit Franck tout à l'heure, le remplissage des fiches, comment les travaux ont été faits au niveau de chaque pays. Il se trouve qu'il y a énormément de faiblesses, au moins
du moins depuis que je suis à la Comifac, ça fait déjà 3 ans, où nous essayons d'organiser les pays par rapport aux différentes négociations. Et je me réjouis de l'explication qui avait été donnée hier à l'Assemblée générale par l'ambassadeur Flore Kumba sur les démarches à suivre pour inscrire les plantes, s'il s'agit de les inscrire, soit à l'annexe 1, 2 ou 3. J'aurais souhaité que les pays, représentants des pays, puissent présenter un peu la manière à laquelle les pays travaillent avant de venir aux réunions de préparation que la Comifac organise, parce que chaque fois qu'il y a, par exemple en 2025, nous allons partir pour la COP CITES, et nous avons prévu de faire des préparations des pays par rapport à ces négociations. Il se trouve que souvent nous sommes entre les pays, les représentants des pays, et parfois les pays ne viennent pas avec les rapports de ce qu'ils ont préparé avant de venir à la réunion de préparation. C'est rare qu'au dernier moment, un seul pays va montrer qu'il a fait quelque chose au niveau du remplissage des fiches. Essayer de comprendre un peu avec toutes les formules qu'il faut remplir. Si c'est une seule personne qui travaille au niveau national, c'est vraiment compliqué. Pour la COP qui s'est passée au Panama, je crois qu'on avait fait plusieurs réunions et tout le monde était un peu dans les mouvements parce qu'on a profité de One Forest Summit à Libreville pour faire une réunion de préparation toujours à Libreville. Il y avait les scientifiques, le CIRAD était venu faire la démonstration que nos espèces, que les espèces qui étaient inscrites n'étaient pas menacées, mais on avait une opposition avec certains pays de l'Afrique de l'Est qui estimaient que certaines de ces espèces étaient plus importantes pour eux. Bon, et finalement nous sommes arrivés à ce qui est arrivé parce que chaque fois que nous préparons les VETA, il y a une position commune qui est écrite, signé par les États et défendu pendant les négociations, ce qui n'a pas été le cas au Panama. C'est lié aussi à la procédure qu'on n'avait pas respectée entre-temps. Pendant la période, là, qu'est-ce que les pays ont fait? Ça répond à la question que Franck a posée. Où étaient les États par rapport à ces préparations? Je crois qu'il faut prendre le problème en amont. Moi, personnellement, je pense qu'il faut prendre le problème en amont et pouvoir intégrer tous ces aspects scientifiques qui ont été évoqués au niveau de chaque État avant d'avoir des réunions au niveau sous-régional qui vont refléter la réalité. Parce que hier, j'ai suivi également les questions sur les ANCP et les questions de quotas, les questions de permis. C'est quand même très pertinent d'avoir ces éléments au niveau de chaque État avant de pouvoir avoir une réunion régionale où tous les pays se retrouvent et prennent une position. Encore, bon, là je voulais évoquer l'aspect préparation au niveau pays avant d'arriver au niveau sous-régional. Le deuxième aspect que j'évoque en termes de faiblesse, c'est qu'au niveau sous-régional même, lorsqu'on prépare les groupes de travail sur CITES, on ne réunit pas forcément tous les scientifiques, toutes les entités qui devaient vraiment contribuer à pouvoir alimenter la position commune qui devait être une position unanime pour la sous-région Afrique centrale. Et c'est pour cette raison que dans mon discours de ce matin, je demandais que le MOU qu'on doit signer avec la TIBT, à partir des présentations d'hier jusqu'à ce matin, que nous puissions désormais travailler ensemble de manière soudée et que tout ce qu'on peut recueillir comme éléments de faiblesse, on essaie de voir comment on peut les transformer, rechercher d'autres données scientifiques qui pourraient les soutenir avant de pouvoir avoir une position commune pour aller aux négociations. Et dans ma tête, je pense que nous devons revoir un peu notre stratégie de préparation aux négociations pour 2025. Et je crois que je l'avais déjà annoncé. Et même le MOU qu'on devait signer avec la TIBT, j'ai demandé qu'on puisse revoir un peu ce MOU de manière à laisser le temps à Benoît, à l'équipe de la TIBT, de partager encore
avec l'équipe, les partenaires de la TIBT, et voir quels sont les éléments qu'on peut intégrer sur le point de vue de négociation. Parce que hier, j'ai compris également que l'un des points forts sur lesquels la TIBT se positionne, ce sont les négociations, ce qui n'est que normal parce que ce sont les privés qui vendent le bois. L'État ne vend pas le bois. Et ils doivent avoir un pied, vraiment une partie entière dans les préparations pour les négociations. Donc voilà, très rapidement, je crois que c'est la vision qu'on a, que je partage avec vous, et que je pense que désormais il faut changer de paradigme et même de préparation pour les négociations. Aujourd'hui, on est dans le cas CITES, mais c'est pareil, j'ai constaté également pour les autres conventions des Nations Unies. C'est pareil pour la CNUC. Lorsque la COP est passée, chacun rentre chez lui. On dort, on attend et on se précipite au mois d'octobre pour préparer, aller aux négociations. Alors que les Brésiliens, je crois, aussitôt, ils mettent en place leur bureau de négociation un an à l'avance et ils travaillent les positions communes un an à l'avance. Donc, dans le cas d'espèce, pour notre réunion d'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments à intégrer dans la position Afrique centrale et c'est important qu'on revoie notre manière de nous préparer pour aller aux négociations. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Bon, juste quand même pour titre et rappel, la TIBT, ce n'est pas seulement le secteur privé. Nous avons aussi d'autres membres qui sont dans le conseil d'administration. Et donc, notre travail, c'est beaucoup renforcer les capacités, faire de sorte que les pays comprennent ce qui est attendu, les préparer en avance, comme vous dites, et pas au dernier moment chercher où sont les documents, être prêt, être préparé. Donc, pour nous, je parle dans ce cadre de renforcement des capacités, parce que nous ne sommes pas une partie. La TIBT n'est pas partie, c'est les pays qui peuvent faire des observations. Nous, on regarde, mais on peut aider. Notre savoir technique, scientifique, peut aider les pays à mieux faire leurs ACNP et leurs avis d'acquisition légale. Donc, je voulais quand même un peu mettre le point là-dessus, parce que sinon, on va dire que c'est la TIBT qui va parler pour tous les pays, et ça, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, je voudrais inviter le prochain intervenant, Madame Brenda Sanctum, qui est donc de la douane belge, et plus spécifiquement au port d'Anvers, et qui va un peu nous expliquer comment se passe le contrôle sur des bois, sur l'essence CITES. Madame Brenda. Bonjour à tout le monde. Good afternoon, everyone. The green one? Or? I had a small presentation, but there's a little problem. Okay, I start already because otherwise we will run out of time. So. I am Brenda from the Antwerp Customs Investigation Team and the Belgian Customs and Excises Department is part of the Federal Public Service of Finance. And we have two departments, an operations department and an investigation department. Our investigation department has central services and regional services. One of those regional services is Antwerp. And the Antwerp Investigation Service has three departments, a customs department, an excises department, and a common law department. Our CITES, EUTR, and FLECHT team is part of the common law department. So now you know a little bit who we are. What is the mission of my team? Within the general mission of the Customs and Excise Administration, our team aims to protect fauna and flora
and to participate actively in the fight against illegal logging by monitoring and enforcing the correct application of CITES, FLECHT and EUTR legislation at the EU border in the context of import, export and transit trade activities. We are also investigating criminal activities and criminal organizations operating in environmental crime, of course, in order to stop the fraud and to penalize the offenders. And finally, we are cooperating and exchanging information with our partners in order to act faster and more efficiently in the fight against environmental crime. So that fight, we can't do it on our own. We need partners, and we have a lot of partners on national level and on international level. On national level, we have our customs colleagues, for example, from the legal department, the risk department, the lab, the first line officers. One of our most important partners is the Federal Public Service of Health, Safety of the Food Chain and Environment, because it's the competent authority for CITES, FLECHT and EUTR, in the future also EUDR, of course. Then there is the Federal Agency for the Safety of the Food Chain. We have the public prosecutor, the police, like the Federal Judicial Police and the local police. Port of Antwerp is also one of our partners. The logistic providers, we need their help. We need the help of the shipping agents, the warehouses, the declarants, the terminal operators, for example, to organize our controls. And then we have, of course, the experts, like the experts from the Africa Museum and the Plants Garden in Mesa. So on an international level, we also have the customs all over the world that are our partners, the WCO, the UNODC, the competent authorities all over the world, which we can contact by intervenience of the Belgian competent authority. We have OLAF, we work together with the international police organizations like Europol and Interpol, the non-governmental organizations like WWF, Traffic and Greenpeace, and of course international experts like the Enforce team, the experts on the UTWIX platform, etc. So we have a lot of partners in our fight against fraud. How do we work? We start from a motive, of course, for an investigation. That motive can be internal information, like our own risk analysis with our data mining team, and previous infringements can also be a motive for an investigation. There is also external information, like, for example, information or requests for mutual assistance or internationally coordinated actions of partners. And, of course, there is info of the third parties, of private parties. Our investigation is like every kind of investigation. We investigate what, who, when, where, why, and how. And we follow the documents, the physical shipments, and the money. Which resources do we have to do our investigations? We have several databases, but we also have general investigation methods and special investigation methods. So when there is an infringement or a violation, then we stop the shipments, we secure the assets and the resources, and then we inform the competent authority in order to get a confirmation of the violation. And then after the confirmation of the violation, we make an official report to the public prosecutor, and there will be a release or seizure of the shipments. In practice, it's we start, of course, by selection. As we are an investigation service, we don't do random selections. We always work on a basis of risk analysis and risk profiles. So we do our risk analysis on pre-arrival information, on ad hoc information, but also a posteriori, so retroactively.
Our inspections can be documentary and physically, and then again we come to the release or stop moments. If we don't find any anomalies, we release the cargo. If we do something that is wrong, then we stop the cargo, and after confirmation of the competent authority that there is a violation, we make an official report to the public prosecutor. Now, what happens after the confirmation of the violation? The public prosecutor has various options. He can choose for criminal prosecution, he can offer a settlement with or without seizure of the shipment, or he can dismiss from prosecution and forward the file to the competent authority for administrative settlement. The competent authority, again, has various options. They can allow regularization, they can confiscate the shipment, and they can impose an administrative fine in case the public prosecutor decides not to proceed with criminal prosecution. The port customs authorities only have one option. They have to execute the decision of the public prosecutor or the competent authority. This means release of the shipment for the EU market, sometimes return the shipment to sender or destroy the shipment, or seizure of the shipment. But it's not our decision, it's the decision of the competent authority or the decision of the public prosecutor. So, an overview, the customs start with the investigation on incoming, outgoing, and transiting shipments. When there's a violation, we stop the cargo and we report the violation to the competent authority. Then the competent authority investigates the reported violation, and then they confirm or not confirm the violation, and they make a decision on the destination of the shipment, either release or provisional seizure. Then again, the customs authorities, they execute the decision of the competent authority, and we make, in case of a confirmed violation, we make a report to the public prosecutor. The public prosecutor investigates the report, and then decides on the further process, which can be prosecute, so go to court, a settlement with or without a seizure, dismiss with or without consequences, and or transfer to the competent authority for an administrative settlement. And then in the administrative settlement, the competent authority can dismiss without or with a warning, can do a regularization with or without a warning, or can make a settlement with or without seizure. So the customs, the public prosecutor, and the competent authority have different authorities. The customs have full investigative authority, but no sentencing authority. The public prosecutor has the authority to order an additional investigation, and has, of course, full sentencing authority. The competent authority for citizens has, of course, full investigative authority and has a shared sentencing authority together with the public prosecutor. And there is a mutual agreement that customs authority focuses on import and export investigations, while the competent authority focuses on domestic investigations. And complex customs files are always discussed with the competent authority and the public prosecutor. So there's always communication and cooperation at any time when it's considered to be needed. I give you a few examples of motives and risk indicators which might be interesting for you. So, as a motive, we have national and international alerts. Recent catches, for example, in neighbor countries or neighbor ports like Rotterdam. We have changes in legislation, internationally coordinated actions, requests for mutual assistance, and requests, for example, from the competent authority. As risk indicators, we have previous violations, of course,
changing traffics and declarations after changing in legislation, strange choice of routes, for example, change choice of products for some companies, unusually high or low prices, documentary anomalies, or misdeclarations like wrong codes, wrong HS codes, wrong quantities, and of course, unnecessary intermediate steps might also be a risk indicator. So which infringements are easily to avoid? On the customs declaration, we often see that CITES permits are not mentioned. So this is a problem because the declaration will be hit for further control, even if you do have your CITES permits. So please, please, please mention those permits on your customs declarations and use the right codes in the box 44 of the customs declaration. If you use the wrong codes, then again, it might be a risk indicator which will cost you time and money. On the CITES export permits, we see that some export permits that have to be signed by the exporter are not signed. Maybe that's not a problem for our competent authority, but from a customs point of view, we need to examine the problem. We need to examine why there is no signature, and that takes time, and that will cost you a lot of money. We see that the actual exported quantity is not always mentioned or written off on the export permit. Again, that's a problem. Maybe it's all correct, but we have to investigate, and investigations take time. Same when the bill of lading or the export document is not mentioned on the CITES export permit, or when it's not stamped or signed for export. We have to report it to the competent authority, and they will have to check in the country of origin whether or not the CITES export permit is valid. So again, this takes time, this costs money. As for the CITES import permits, make sure your validity date is not expired, and make sure the permit does mention the name of the actual importer, so not the declarant or someone else, an intermediate, or no, it has to be the actual importer. I put in the presentation again the codes for box 44, so I'm not going to tell them all. I will hand over the presentation so you will be able to look at it later on, but make sure you use the right codes. These might be risk indicators. This might hit unnecessary your declaration, even if everything is okay, so please use the right codes. Madame, you can contact us. Madame Sanctorum, I gave 10 minutes and we are already behind schedule, so I would suggest if there are very important slides, you go on these. I'm finished. This is okay, the last one. This is the last one. Because I want to these give are you our contact to details. Madame, so if you want to contact us, our central services have a 24/7 service that can be contacted in case of emergency, and the Antwerp investigation CITES team, you can contact by mail on our email address. So that's what I wanted to tell you. Thank you very much. You've given us a very good presentation. As you, comme vous pouvez voir, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez corriger, des petites erreurs, en faisant attention. Donc cette présentation, comme tous les autres, sera en ligne. Ça vous permet de mieux connaître les problèmes que vous devez éviter et qui sont parfois des petits problèmes, mais qui peuvent entraîner, comme nous savons tous, des grands frais. Alors là, j'invite Madame Barbara Sotolargo Moreno, qui est donc présidente du Scientific Review Group de l'Union européenne. Je vous passe le micro, madame, s'il vous plaît. On parle, c'est bien. Bonjour et merci, madame, pour l'invitation, pour être ici. Je vais faire une présentation très, très, très brève et pas nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont participé avec nous
Dans la présentation, c'était au comité des plantes. On a fait un événement une présentation des critères qu'on commence à utiliser à l'Union européenne. Voilà, je préfère voir ça. Comme Madame Yvonne Iquero elle a déjà expliqué, à l'Union européenne, on fait. Et la CITES est mise en œuvre dans l'Union européenne par le biais d'un règlement qui impose des mesures internes plus strictes. Et c'est-à-dire, pour les espèces, dans l'annexe B du règlement européen, c'est-à-dire les espèces qui sont dans l'annexe 2 du règlement, de la Convention, on demande un permis d'importation. Et pour cela, l'autorité scientifique de l'État membre d'importation a l'obligation légale d'effectuer un avis de commerce non préjudiciable pour cette espèce, ce qui permettra d'assurer l'introduction dans la communauté ne nuit pas l'état de conservation de l'espèce ou la tenue du territoire occupé par la population concernée. Et pourquoi on travaille maintenant avec des critères d'évaluation pour l'importation de bois ? La législation européenne sur le commerce des espèces sauvages est complétée par des orientations plus spécifiques visant à faciliter l'application plus unifiée et harmonisée dans l'Union européenne. Ces critères ne sont pas contraignants, visent à aider les autorités scientifiques de l'Union européenne à assurer l'importation des espèces de la CITES dans toute l'Union européenne. Et cette initiative a pour but d'aider les autorités scientifiques de l'Union européenne à fournir des conseils cohérents dans les 27 États membres, promouvant ainsi une approche unifiée et harmonisée. On a commencé à parler des critères beaucoup de temps avant, dans la réunion où les autorités scientifiques de la CITES, c'est le groupe des savants scientifiques, se réunissent 3-4 fois par an. Et ça a commencé en juin 2020. Et on a créé aussi dans les groupes des savants scientifiques un groupe de travail spécifique pour les bois. Et on a commencé à travailler avec les critères. Et c'est au comité des plans 26, au juillet 2023, qu'on a présenté un document qui s'appelait les critères de durabilité pour la vie relative aux bois. Et c'est après ça qu'on a fait une notification en invitant à toutes les parties contraignantes de nous envoyer des commentaires. Après ça, on a fait des échanges avec des experts forestiers. Les premières, c'était en novembre 2023 et les deuxièmes en mai 2024. Et finalement, cet été, en juillet 2024, on a fait un événement parallèle et on a présenté un document d'information au comité des plans 27 pour l'évaluation des importations de bois inscrites à la CITES dans l'Union européenne. Ces événements parallèles, on n'a pas eu beaucoup de temps et on n'a pas... Dans ces documents d'information, on a indiqué les considérations sur l'évaluation des importations de bois qu'on utilise maintenant les autorités scientifiques de l'Union européenne. On a mis ces cinq apartés, disponibilité des données, les effets du changement d'affectation, la catégorisation générale des risques spécifiques et l'évaluation de l'impact. Tout sont expliqués dans ces documents-là. Je ne vais pas me mettre parce que moi, je ne suis pas technicien. Je ne peux pas expliquer ça parce que je ne peux pas les faire. Allez, pardon, le micro. Je vais parler. Et ce qu'on va faire à continuation pour tout cela, on va faire une notification qui va publier les critères qui sont actuellement appliqués sur l'importation des bois dans l'Union européenne, qui fait référence à ces documents qu'on a déjà présentés au comité des plantes.
Une fois qu'on a fini avec les critères, la version finale du guide d'évaluation, on va faire une nouvelle notification et on va demander un retour des commentaires. Et on va faire aussi une invitation aux réunions en ligne. On va faire des acteurs intéressés et des états de l'aire de répartition dans les trois régions d'Afrique, Asie et Amérique latine qui se tiendront au début de l'année 2025. Et une fois qu'on a adopté les critères, l'année prochaine, on espère, on va faire une nouvelle notification et on va indiquer qu'il y aura une période de transition. Mais tout ça, on va les faire avec, on espère les faire avec tous les pays de la région et on aimerait avoir des discussions pour les mettre en place. Et c'est tout ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Solargo Moreno, pour ces explications. Je voudrais inviter les autres panélistes de déjà prendre place sur le podium. Donc, il s'agit de Madame Ingrid Ontis de Fedustria, Madame Paulette Ebina du ministère de l'économie forestière du Congo, Madame Flore Kumba, présidente du comité des plantes, Monsieur Frédéric Djengo, le directeur général des forêts RDC, et Monsieur Gabriel Molamotia de la Fédération des industriels du bois en RDC. J'espère qu'on a de la place pour tout le monde. Il y a encore une place ici. Venez, venez vite. Donc, entre-temps, Madame Sotolago, je suis très heureuse de lire le dernier slide. Où vous dites que nous allons échanger, parce que le monde est fait de dialogue. Donc, on n'a pas eu le temps à Genève, donc on va maintenant pouvoir créer le temps. Je voudrais aussi appeler les pays. Vous avez bien entendu qu'il y aura une notification. Vous devez réagir. Donc, ne pensez pas que ça va passer comme ça. Donc, tout le monde doit se préparer et réagir. Donc, c'est vraiment important. Monsieur le secrétaire exécutif l'a rappelé. Il faut que les pays soient conscients. Quand vous recevez une notification, lisez-la. Il y a aussi une notification qui est sortie sur des rapports annuels qui manquent, des rapports spécifiques. On risque de créer une suspension à nouveau. Faites vos rapports. Je regarde dans la salle, je ne regarde pas quelqu'un de particulièrement, mais c'est un rappel aux troupes. Voilà. Disons-le comme ça. Merci. Donc, là, je voudrais inviter Madame Flore Kumba, parce qu'elle est présidente du comité des plantes, d'un peu nous parler donc, sur le suivi dans les différentes interventions, ce qu'un classement sur l'annexe 2 implique en gros, parce que vous l'avez déjà expliqué, et quelle est la procédure ou dois-je dire le trajet qu'une proposition doit suivre ou pourrait suivre jusqu'à ce que le classement est confirmé. Y a-t-il des consultations avec les pays producteurs et comment ça s'organise? Allez-y, madame. Bonjour encore une fois. Donc là, je suis devant vous en ma qualité de présidente pour le comité pour les plantes de la CITES. Je vous remercie déjà pour l'invitation et je suis vraiment heureuse d'être parmi tous ces distingués panélistes et je vais faire de mon mieux pour apporter ma modeste contribution. Alors, il y aura peut-être beaucoup de répétitions, mais la répétition, c'est l'art de la pédagogie, donc allons-y. Alors, je voulais donc vous rappeler que la convention sur la CITES, la convention CITES est un texte international juridiquement contraignant. Nous avons, les parties ont donc des obligations et des devoirs, et le non-respect des dispositions de la convention
peut conduire à une suspension de commerce pour une espèce ou à une suspension de commerce. Et là, quand on arrive à ce stade-là, c'est vraiment compliqué pour sortir de cette catégorie. Alors, cette convention permet de concilier des enjeux écologiques et des enjeux commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de commerce durable, c'est-à-dire un commerce qui est non préjudiciable à la survie de l'espèce à l'état sauvage, un commerce légal et un commerce traçable. Il y a environ 34 000 espèces végétales qui sont inscrites dans les trois annexes de la CITES, dont plus de 98% en annexe 2. Alors, l'annexe 2, comme l'a présenté Franck, il faut pour un commerce international que l'on présente un avis de commerce non commercial, un avis d'acquisition légale et des permis d'exportation ou d'importation et d'importation lorsqu'on est, on importe vers l'Union européenne. Et donc, ça assujettit, c'est une réglementation du commerce. Maintenant, quelle est la procédure d'amendement des annexes 1 et 2 de la CITES? On parle aussi, donc Françoise a parlé de classement, mais on parle également d'inscription dans les annexes de la Convention. Toute partie ou plusieurs parties à la Convention peuvent proposer un amendement des annexes qui sera soumis à examen lors d'une session de conférence de parties. Franck vous a montré trois exemples tout à l'heure de propositions d'amendement où on avait plusieurs auteurs. L'Union européenne qui est partie à la Convention et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, cette proposition doit répondre aux dispositions de la résolution CONF 9.24 qui a été révisée lors de la COP17. Cette proposition porte sur les critères d'amendement des annexes 1 et 2. Alors, les annexes 1 et 2 de la Convention CITES, mais cette résolution comporte des annexes. Et ces annexes, elles vont préciser certains points, comme les critères biologiques ou commerciaux qui permettent d'inscrire une espèce dans une annexe, l'annexe 1 ou l'annexe 2. Et il y a également un modèle de soumission d'une proposition d'amendement des annexes. Il s'agit d'un fichier que l'on doit remplir. Il y a différentes parties. Elles sont en 12 points. Et lorsque les parties remplissent, les parties auteurs de la proposition d'amendement de l'annexe, lorsqu'ils proposent cet amendement, ne doit pas dépasser, enfin, ça doit tenir en 12 pages. En 12 pages. Au-delà de 12 pages, il revient à l'auteur de faire la traduction de cette proposition dans les trois langues de travail de la Convention, à savoir l'anglais, le français, l'espagnol. Normalement, en dessous de 12 pages, c'est le secrétariat qui se charge de la traduction dans les langues de travail. Alors, je vous ai parlé de critères biologiques, je vous ai parlé de critères commerciaux. Il y a également ce qu'on appelle des critères de ressemblance, c'est-à-dire qu'une espèce va être inscrite dans une annexe parce qu'elle ressemble à l'espèce qui est susceptible d'être menacée par le commerce. Et pour des raisons de ressemblance au niveau qu'on ne pourrait pas les différencier. Là, ça me permet de vous expliquer qu'au niveau national, à la CITES, il y a trois entités. L'autorité scientifique qui donne des avis scientifiques, l'organe de gestion qui est vraiment la cheville ouvrière de la Convention au niveau national. C'est cette entité qui est en relation avec le secrétariat. Et les organes de contrôle, en général, c'est la douane, et on vient d'avoir un exemple de présentation de l'organe de contrôle pour la CITES Belgique. Alors, tout à l'heure, la secrétaire générale de la CITES a fait allusion au calendrier.
lorsque vous écrivez votre proposition d'amendement, vous devez la soumettre 150 jours au plus tard avant la session si vous avez consulté les pays de l'aire de répartition. Vous êtes, par exemple, je prends un exemple, l'Union européenne qui soumet une proposition d'inscription d'une espèce dans une annexe qui n'est pas de son aire de répartition. Il faut pour cela qu'elle consulte les pays de l'aire de répartition, et il y a une partie dans le document, donc le modèle, qui dit consultation avec les pays de l'aire de répartition. Vous écrivez, j'ai consulté tel pays de l'aire de répartition à telle date, j'ai eu une réponse, j'ai consulté, j'ai pas eu de réponse, et je n'ai pas consulté. Alors, si vous ne consultez aucun pays de l'aire de répartition, vous devez envoyer votre proposition d'amendement des annexes de la CITES au secrétariat de la CITES 330 jours avant la date de la prochaine session de la COP, ce qui permet au secrétariat de faire la consultation à votre place, de demander l'avis des pays de l'aire de répartition. Alors là, on arrive au stade où la proposition, elle est faite, elle a été envoyée au secrétariat. Secrétariat va publier sur son site avant la session de la COP. Donc on arrive, on a la liste de toutes les propositions qui vont être soumises à la COP. Il y a la possibilité pour les auteurs de retirer cette proposition, de l'amender à tout moment avant la conférence des parties. Et même pendant les discussions à la COP, il est toujours possible de faire des ajustements et de proposer au secrétariat. Là, maintenant, nous arrivons au stade où nous allons examiner la proposition. Alors, comme je vous l'ai dit hier, il y a l'organe suprême décisionnel de la CITES, c'est la conférence des parties. Donc, l'ensemble des parties, c'est elle qui décide. Mais pendant qu'on est en session de conférence des parties, il y a deux comités qui se réunissent en parallèle. Le comité 1 va traiter des questions biologiques, scientifiques, c'est-à-dire l'examen des propositions d'amendement, l'examen des quotas ou de toute autre question biologique. Pendant que le comité 1 se réunit, en parallèle, il y a le comité 2 qui se réunit, et le comité 2 se réunit pour traiter des questions de mise en œuvre de la convention, des questions stratégiques. Alors, les décisions concernant les inscriptions d'espèces dans les annexes vont se prendre donc au sein du comité 1, et en général, les décisions se prennent par consensus. Mais il arrive qu'on n'ait pas de consensus, et à ce moment-là, on passe au vote. Et la proposition sera adoptée au sein du comité 1 à la majorité des 2/3. À ce moment-là, le comité 1 recommande à la conférence des parties l'adoption de la proposition. Donc, les derniers jours de la conférence des parties, les deux comités se réunissent donc en conférence des parties, et chaque comité recommande à la conférence des parties la proposition, en l'occurrence pour le comité 1, la proposition d'amendement. De nouveau, c'est soit consensus, s'il n'y a pas de consensus, on repart au vote à la majorité des 2/3. Donc, une fois que la proposition a été adoptée, elle rentre l'entrée en vigueur de l'amendement de l'annexe, des annexes de la CITES, intervient généralement 90 jours après l'adoption. Voilà, grosso modo. Mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que il y a sur le site de la CITES, il y a des outils de formation, des supports de formation qui vous permettent de vous
d'acquérir des compétences. Et vous avez également un renforcement de capacité qui se fait via le master CITES, qui se tient tous les deux ans à l'Université internationale d'Andalousie, à Baeza, en Espagne. Et moi, j'ai profité de cette formation, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être devant vous en tant que présidente du comité pour les plantes. Merci. Merci, Flore. Je pense que là, maintenant, on est arrivé un peu aux questions. Alors, dans leur présentation, j'avais des questions à Madame Sanctorum. Quelles sont les anomalies les plus fréquentes? Elle a répondu dans sa présentation. Donc, je ne dois plus y poser la question puisqu'elle a déjà répondu. Alors, j'avais une question un peu générale, parce que là, vous avez suivi qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de rapports, beaucoup d'études, beaucoup d'éléments, etc. Alors, je voudrais un peu poser une question, un peu généralisée, dépendant qui c'est l'acteur. Ah, donc, M. Monté, la Tibété, Mme Paulette Ebina, la République du Congo, M. Frédéric Djengo, de la République démocratique du Congo, et je voudrais rajouter deux représentants du secteur privé, Mme Ontis de Fedustria et M. Mola de la FIP. La question est la suivante. L'inscription à l'annexe 2 entraîne, comme on a pu suivre, un travail important pour les entreprises, les administrations forestières, les organes de gestion et scientifiques des pays producteurs, les importateurs et la douane. Je vous ajoute aussi, Mme Sanctorum, je m'excuse. Est-ce que toutes ces parties-là concernées, est-ce qu'ils ont les moyens? Et là, je ne parle pas des moyens financiers, mais des moyens logistiques, suffisamment de personnel, parce qu'il n'y a que des essences qui s'ajoutent. Mais est-ce que le staff aussi est augmenté? Ça, c'est ma question. Pour le secteur privé, les entreprises qui importent et qui exportent le bois, est-ce qu'eux aussi ont les moyens? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire? Parce que ça, s'il n'y a qu'un côté du parti qui travaille, c'est voué à l'échec. Donc, c'est une participation à tous. Donc, je voudrais commencer d'abord avec M. Monté, qui m'explique un peu ses constats quand il travaille avec les administrations. Est-ce que le répondant est là? Est-ce qu'il faut renforcer encore les capacités? Vous n'avez pas beaucoup de temps, 2 minutes. Ok, merci beaucoup, Madame la Présidente. Du coup. je dirais, le travail qu'on a fait, le travail qu'on a fait depuis un peu plus d'un an maintenant avec la Task Force CITES, c'était déjà dans un premier temps un travail de prise de contact dans un premier temps, parce que on doit le reconnaître au niveau de la CITES, particulièrement en Afrique centrale. Parfois, on ne savait pas à qui s'adresser. Donc, c'était déjà dans un premier temps un travail de prise de contact. Mais maintenant, une fois qu'on l'a fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, parfois, dans certains pays, il n'y avait malheureusement pas assez de personnes qui connaissaient le sujet ou à même à répondre aux préoccupations de la CITES au niveau local ou national. Et donc, comme Mme Koumba le disait, il y a le master CITES certainement pour le renforcement de capacité. Mais je pense que ce soit en Afrique ou en Europe, on était aussi aux 40 ans de la CITES belge la dernière fois, qui montrait qu'il y a une augmentation du nombre de demandes de permis traités sur l'année. Donc, il n'y a pas que les plantes, c'est qu'il faut savoir, il y a les animaux, c'est l'ensemble du vivant. Et donc, ça demande énormément de ressources. Mais je pense que globalement, dans la plupart des pays, que ce soit en Afrique ou en Europe, et je pense peut-être que c'est aussi une question que la CITES elle-même devrait s'en saisir, puisqu'il y a une augmentation d'inscriptions. Et donc, quels sont les moyens, quelles sont les capacités que les pays ont à disposition pour pouvoir remplir les exigences de la Convention? Je pense que c'est une question qui va de plus en plus se poser avec le volume ou l'importance que la Convention, et surtout avec la sensibilisation que les gens commencent à avoir au niveau de la Convention. Donc, je dirais que oui, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de main-d'œuvre qui se fait dans les différents pays. Merci. Alors, Madame Ebina, vous avez entendu la question. Monsieur Djengo, vous avez entendu la question. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez suffisamment de personnes qui peuvent participer
à élaborer et rédiger ces ACNP, les avis de commerce non préjudiciables. Est-ce que vous avez aussi les moyens pour le faire? Parce que là, suscite que vous devez faire des réunions, vous devez organiser des réunions, vous devez rencontrer aussi toutes les parties prenantes dans vos pays, que ce soit la société civile, le secteur privé. Que pouvez-vous répondre à ce sujet? Madame Ebina, ladies first. Merci, merci Françoise. Bonsoir à tous. Alors, dès que nous avons constaté l'inscription de plusieurs essences, effectivement, il y a un énorme travail à faire. C'est des ACNP en plus, des analyses en plus. Aussitôt, nous avons demandé un renforcement de capacité déjà avec la TIBT. Pour déjà la difficulté que nous avions à la rédaction de l'ACNP nationale, nous avons aussi besoin de restructurer notre organe scientifique parce que nous avons un sérieux problème sur l'organe scientifique CITES Congo. Ça, dans la présentation de Franck, c'est ressorti. Mais aussi de l'organe de gestion, nous avons besoin d'un renforcement de capacité, bien que le travail important se fait, mais nous n'excluons pas le fait d'avoir un renforcement de capacité pour être plus prompte aux réactions, pour répondre au mieux aux attentes de nos industriels concessionnaires qui attendent beaucoup de nous. Donc, je lance un appel à l'organe de CITES, comme l'a dit Franck, de venir au secours, de nous donner des moyens logistiques aussi pour nous permettre de nous réunir à un temps réel. Merci, Françoise. Monsieur Djengo. Oui, ok, merci, Françoise. Bonsoir à tous. Je crois que les pays de la Comifac sont en train de subir beaucoup de problèmes. Compte tenu du fait, comme l'a dit le secrétaire général, de ne pas disposer d'éléments, de données fiables par rapport à nos espèces, que ce soit animales ou végétales. Vous la rappellerez, l'histoire des perroquets, qui est partie peut-être de quelques pays, parce que moi je parle en tant que Congolais de la RDC, qui dispose d'un méga biodiversité. Et depuis tout ce temps, les espèces qui sont inscrites en annexe 2 ne posent pas de problème dans mon pays. Donc, nous avions Sibu, quand même, on nous a coopté parce que nous sommes dans le même espace. Et vous avez remarqué, je suis à côté de mon secrétaire général de la Comifac et de ma sœur qui est président du comité des plantes, que c'est peut-être par ignorance, par manque de données fiables que nous subissons. Depuis les perroquets, bon, je peux considérer peut-être les pangolais, c'est un peu sérieux, mais voilà, aujourd'hui avec les padouks, je ne sais pas, les padouks en RDC et la Kajou d'Afrique, tout ça là, parce qu'il y a eu des avis ou des réclamations qui ont été faites par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais comme l'a bien expliqué Paulette, nous pensons que nous devons prendre conscience en Afrique, à la Comifac, le pays de la Comifac. Et depuis l'avènement du secrétaire général, il essaye toujours de nous en parler, de nous forcer. Et je crois que avec les amis du Cameroun et du Gabon, on se retrouve souvent pour que les pré-COP ou les pré-comités soient bien préparés. Et là aussi, nous devons, au niveau des pays de la Comifac, nous demandons de voir des possibilités pour que, comme c'est un peu difficile que Comifac devienne partie, et si la CEMAC, par exemple, peut devenir partie, et quand on parle, quand l'Union européenne, avec tous les pays qui ont lors des votes et tout ça là, nous connaissons beaucoup de problèmes. C'est ainsi qu'en amont, comme l'a dit
ma concert de Congo-Brazza, il faudra un renforcement des capacités. Je crois qu'à son temps, nous avions réussi quand même avec la Formosia, avec l'appui de l'UBT. Je crois que le professeur Lagarde du Cameroun, que je salue en passant, nous est venu vraiment en appui. On a fait des ASNP, même pour le Plinus Africana, on appelle les ASNP. C'est grâce à cela que le commerce n'était pas entré. Donc, il y a un besoin de renforcement des capacités. Et aussi, il faudra que nous ayons des autorités scientifiques, donc une équipe d'autorités qui compose l'autorité scientifique et des universités, qui sont une équipe vraiment pointue pour que nous soyons proactifs. Et elle nous a expliqué les délais de la réclamation jusqu'à donner. Donc, les pays de la Commission qui nous devons être proactifs. Et nous regrettons le cas de la RDC et qui souffre aujourd'hui par manque de données fiables. Et nous proposons aussi que la CEMAC devienne partie. Parce que la Comifac n'est pas partie et elle ne peut pas voter. D'où, en résumé, je pense que nous devons avoir des autorités scientifiques, des équipes d'autorités scientifiques qui sont fortes et que nous devons être proactifs, nous devons être unis. Parce que curieusement, il y a parfois des réclamations qui partent de l'Afrique centrale alors qu'on ne s'est pas mis d'accord, parce qu'un pays de la Comifac trouve que chez lui il y a tel problème, il pose et les autres suivent bêtement comme ça. Voilà, c'est un peu ça, et nous saluons les efforts qui sont maintenant actuellement menés auprès de la Comifac pour que les pré-COP soient bien préparés pour qu'on se réunisse. Et il faut aussi que je recommande quand même à l'OIBT, à l'Union européenne, quand il y a des sessions comme ça où on doit parler de la CITES, comme c'est une organisation qui s'occupe du commerce, il faut que les exploitants, que ce soit forestiers ou les gens de faune et de flore, soient invités. L'État ne fait pas le commerce. Et ils doivent être sensibilisés. On ne peut pas toujours tendre la main, attendre l'Union européenne, l'OIBT pour nous envoyer l'argent. Mais je crois qu'ils peuvent supporter. Je me rappelle que quand le commerce des perroquets était ouvert, c'est par exemple, un perroquet en Europe coûtait $100. Donc ils vendaient les perroquets à 100. Parce que j'ai été organe des éditions pendant plus de 5 ans. Et un perroquet est vendu à $100. Donc, quelqu'un qui a un quota de 1000 perroquets, on pouvait avoir combien? Et il devait avoir l'association qui devait soutenir, qui devait appuyer des ASNP. Voilà, donc il faudra que ceux qui font le commerce, les finances, supportent les études. Et nous voulons aussi l'appui et nous sollicitons aussi que nos organisations deviennent parties au niveau de des comités des plantes ou des comités pour les animaux. Merci. Merci, directeur. Alors, brièvement, je voudrais poser la question aussi à Mme Brenda Sanctorum. Toutes ces étances qui s'ajoutent, est-ce qu'à votre équipe vous êtes renforcée? Parce que là, bientôt, Kumaru, IP vont s'ajouter. Est-ce que vous avez vraiment tous les moyens qu'il faut pour faire le travail? OK. Very briefly, no. We do not have enough people. No, we do not have the right tools. We do not have all the tools we need. We do not have the financial resources. No, we do not have it. But the people we have are very, very, very motivated, and they have a tremendous drive, and that's also very, very important. And we also have wonderful partners, and all our partners help us, and we put our forces together, and together we are strong. Thank you for that. Private sector. I start with Mr. Muller because the producing companies, les pays qui produisent en RDC, parce que vous êtes la RDC, comment est-ce que eux, ça les impacte qu'il y a une essence qui est classée
à l'annexe 2, par exemple. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je confirme qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons l'expertise voulue tant au niveau des entreprises qu'au niveau de l'administration en charge des forêts. Le gros problème, c'est le problème de logistique, c'est le problème de moyens. En son temps, au niveau de l'organe de gestion CITES, il y a eu une réforme très importante qui a été entreprise. Et au niveau du comité scientifique, de l'organe scientifique, on a inclus les chercheurs des universités, on a inclus presque tout le monde, en tenant compte justement des spécificités de chaque structure. Mais il se pose un problème pour réunir, par exemple, régulièrement le comité scientifique. Il faut faire venir des professeurs d'université qui sont à 2000 km de la ville de Kinshasa, qui sont à 800 km, tout ça. Le coût d'une réunion pareille, ben, ça pèse énormément. Et comme toujours, il n'y a pas de moyens et l'administration se rabat sur les entreprises forestières qui doivent financer ce genre de rencontres, qui doivent financer aussi l'élaboration des ASNP. Et tout ça, ça pèse vraiment dans le budget des entreprises. Alors, justement, avec cette tendance à toujours ajouter ou rajouter les espèces à la liste de CITES, eh bien, pour les entreprises forestières, c'est une très bonne chose, si et seulement si toutes les parties prenantes à la Convention respectent leurs engagements, c'est-à-dire respectent les principes tels que dictés par les conventions. Mais si ces principes ne sont pas respectés par les parties prenantes, et c'est là où vraiment ça pose problème, et je crois qu'il n'y a pas longtemps, nous avons de sérieux problèmes au niveau de l'Union européenne avec l'espèce Pericops hyelata. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut et cela vraiment préjudicie les entreprises forestières qui exploitent ces essences-là qui sont inscrites à l'annexe 2 CITES. Donc, pour les entreprises forestières, l'impact est positif si toutes les parties prenantes eh bien, s'accordent, se conforment à la Convention. Car si les parties prenantes s'écartent des principes de la Convention pour des raisons parfois que nous, on ignore, et là, ça nous met vraiment en difficulté. Madame Montis. Yes, hello, so good afternoon. I'm Ingrid, I work for Fidestria, the Belgian Federation of the woodworking sector and the timber importing companies. I see Benoit wants to say something, Françoise. Françoise? Ah, Benoit is there showing. Yes. So. end of story? Okay, but I can be very briefy because I will not tell you something new. As Frank told us before, we noticed that we have to be very, very patient when asking for a CITES import license. So sometimes it can take weeks, months, and this may lead to situations where the CITES export license has already been expired before the import license has been issued. And that will lead us to problems, as was explained before by the Belgian customs. One of the reasons of this delay is that often it's not clear which kind of information is needed to fill in all those CITES import documents. Sometimes during the application process, additional information is required, and there we really need clear guidelines by country of which information is needed. And
if there are any changes in time, we need to be informed about that in time and not when it's too late. So we really need a easier procedure. Now, I must add to that that we have good contacts with the Belgian CITES authorities. So we try to come to a constructive dialogue with them in order to enable the trade in those CITES species. Thank you very much. The Secretary General of CITES will conclude in 1 minute, because we've heard a lot about not having possibilities to reinforce the capacities, and she will say something about this in 1 minute. She promised. I promised you 1 minute, and I'm Latin American, so be careful. I just wanted to say, because there's a lot of discussion about capacity building, about how to carry out a non-detriment finding, and just quickly, through the Secretariat, we are now going to have some pilot projects on using the new NDF guidance that has been developed recently, so countries can be part of that piloting of this for timber species. We also have a grant from Germany that we were able to continue with the project that we had on CITES tree species, which I think is probably this project that the DRC was speaking about, where Professor Lagarde was helping them with making NDF. So please, we should try to discuss how we can make sure that those who need technical assistance get the technical assistance that they need through the Secretariat, and we can also try to find ways in which we can raise finances from donors, because once the scientific authorities know how to do an NDF and can carry out, or those who do the legal acquisition findings, they can then do it for many species and for generally for a long time after that. So what we need is the basic training and capacity, and for the previous project, we were able to carry out many NDFs, and now there have been approvals of the amount of quotas that they have put forward to Plans Committee, and they have been approved. I hope that was 1 minute. Thank you, Madam Secretary General. We were thinking about asking questions in the room, but unfortunately, we keep accumulating the delay. So feel free, at least in ATIBT, the working group, to contact them. I know so the Secretary General of CITES is very, very much available to discuss and to put forward things. So let's keep talking, and let's hope we can all improve, and that it doesn't become really a burden to buy species which are CITES listed. Thanks to everyone. Thanks to the panelists. Thanks to the evening.